Ouais, le gang, CSDM sur tracklist pour Raplume, Ocho, meilleur département de France. Pour moi, c'est le meilleur. Pour moi, j'insiste dessus. Je me sens plutôt bien, tu vois. Dans un bon mood. J'étais très patient pour, tu vois, je voulais pas sortir un truc juste pour dire que j'ai sorti un truc. Et voilà, donc c'est mon premier projet, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc j'ai bien pris mon temps, je me suis concentré et voilà, ça a donné autre chose. Ocho, c'est chez moi. J'ai juste créé un gimmick avec le 8 du 100-8 de la soustraction. Où ça m'arrivait au début des sons de dire 100-8. Et après, j'ai courté le truc en disant que 8. Et après, ben, je suis arrivé avec mon truc. Hein. Ça représente le 9-2, ça représente chez moi. C'est ma famille, c'est le gang à jamais. C'est le 8. CSDM et son gang et son 8, toujours, tu vois. C'est justement une cover qui représente bien mon état d'esprit, tu vois. Je sais pas, pour moi, c'était normal que je posais avec mes gars, tu vois, dessus. Ça veut dire que tous les gens que tu vois autour de moi sur cette cover, c'est des gens de mon entourage. Le petit que tu vois, c'est le fils à mon manager, un de mes deux managers, tu vois. C'est vraiment que mes gars, tu vois. Donc pour moi, c'était normal, mon premier album, c'était normal qu'il s'appelle Ocho. Et pour la cover, c'était normal qu'il soit avec moi. Donc mon préféré, désolé, je peux pas te répondre, c'est Ocho mon préféré. Avec Polak, c'est normal. Avec Polak, c'est normal, c'est mon ref, c'est mon poteau. Donc quand je décide de faire un album, c'est normal qu'il y ait PLK dessus pour moi. Tu vois, c'est... Ouais, le bruit des applaudissements, encore une fois, c'est un truc que quand j'ai commencé à l'écrire, j'étais en séminaire et je me suis dit, PLK est obligé de poser dessus. C'est mon kiff, je me suis dit, je suis un Congolais. Je voulais faire un son sur les 16 qui représentait bien mon pays, que les gens sachent d'où je viens aussi, parce que ça m'arrivait de voir sur les réseaux où les gens ils se posaient la question, tu vois. Et je me suis dit, ben, faut le faire avec Fally, tu vois, ce son-là. Et même lui, quand je lui demande de faire son couplet, j'insiste pour qu'il pose en Lingala. Je lui demande de poser en Lingala, il le fait à la perfection. Et ouais, frère, ça donne droit de veto. Tu sais que Booba, la première fois qu'il m'a rencontré, tu sais ce qu'il m'a dit? Frérot, t'as déjà tout, j'ai juste envie de pousser le truc. Ça veut dire qu'en vrai, ce qu'il a apporté sur l'album, c'est son expérience. Là, maintenant, il faut choisir 16 titres. 8 plus 8. On est allé jusqu'au bout du truc. 8 plus 8, ça fait 16, donc il faut en mettre 16. Et c'est là que c'est surtout là que qu'il a été chaud, tu vois. Choisir les bons sons, les trucs, tu vois. Ça a vraiment été un travail d'équipe. Hein. Donc ouais, nous on est comme ça, frère. On est très le gang. Ça veut dire qu'on s'est posé, chacun a donné son avis, chacun un truc. Et voilà, au final, ça a donné autre chose. Hein. Laquelle, je sais même pas. Mais faut que je t'en donne une. Obligé, donc je te dirais, allez, une comme ça. J'ai compris que j'étais plus un enfant quand les problèmes de maman sont devenus les miens. Cœur noir, ça. Cœur noir, fort. Obligé, parce que on a eu la période C19.
qui nous a pas bien arrangé dans le sens où j'ai jamais vraiment rencontré mon public. Et mon public ne me connaît pas beaucoup parce que j'ai pas fait beaucoup d'interviews. Je me suis pas beaucoup montré, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, c'est important qu'ils écoutent mon album et qu'ils sachent qui je suis encore plus, tu vois. Qui es-tu, en fait? Il y a encore des gens qui se posent la question, mais qui es-tu? C'est pour ça que pour moi, c'est important de leur parler avec ma musique. Je dirais la joie qu'on a eue, en vrai quand on l'a bouclé. Quand on s'est posé, qu'en vrai, on a laissé ce titre et on s'est tous guetté en mode putain, on a fait un sacré boulot, tu vois. C'est moi qui rappe, hein, mais quand on se parle toujours en tu vois ce que je veux dire, donc ouais. On a des docs, ce sera celle-là, quand on a bouclé le bail, on a choisi ce titre, on s'est dit, c'est fort. On n'a pas pris notre temps pour rien.